Chez eux? Non, c'est impossible, évidemment. On est en retard. C'est bon. Tobias et Sepp. Viens. Sepp et Tobias. Bon, mademoiselle San, profitez bien de cette dernière journée. Oui, merci. Je... Bien. Allez-y, les gars. Les enfants. Je me disais... Vas-y, bon, tu le tiens. Écoutez. Les enfants. Salut, la vache. Dehors. Sortez. Sortez tous, dehors. Hop, tout le monde. Vous sortez. Partir maintenant? Vous ne trouvez pas que le moment est mal choisi pour me lâcher comme ça? Je dois trouver quelqu'un. Bien. Les 6B. Je dois dire, jeunes gens, que vous me décevez. D'autant plus que c'est le dernier jour de votre maîtresse. Tu vas chez madame Myriam. Toi, chez madame Paula. Et toi, chez madame Rit. Et vous deux? Vous venez dans mon bureau. Tobias. Tes notes sont catastrophiques et tu es toujours en retard. Je te préviens, continue comme ça et c'est le redoublement assuré. Et ce « salut la vache ». Sepp, ce n'est absolument pas drôle. Vous avez vraiment envie que je vous convoque tous les jours? Tobias, je suis en train de te parler. Oh. Oh. On recommencera plus jamais. Plus jamais? Je l'espère. Rédaction, en 200 mots. Sujet, les chevaliers en armure au Moyen-Âge. Madame Dreus, oui, j'écoute. Oui, nous cherchons un remplaçant pour plusieurs mois. Et si elle trouve pas de remplaçant, on sera renvoyé à la maison. Tu crois? Mais bien sûr, il faisait toujours ça dans mon ancienne école, même quand le prof s'était juste retourné un ongle. On n'aura pas classe, tu crois? Non, ils trouvent toujours un remplaçant. Il n'y a pas plus crétin que ces gens-là. Les remplaçants. Tu seras encore pire qu'avant. Hé, hey, moi je serai toujours là. C'est vrai ça. Hey.
père a commandé du bois. Belle cargaison, ouais, moi. C'est ce qu'on dirait. Et ça arrive de Chine, tout ça. Ah, magnifique, magnifique. Formidable. Je suis ravi. Manger ? À moins que t'aimes pas les petits pots, je sais de qui plus. Non, faut que je rentre. D'accord. Maman, je suis rentrée ! Suivez-moi. Les enfants, voici Monsieur Kess. Monsieur Kess est stagiaire. C'est une classe un peu agitée. Au moindre problème, venez me voir. Oui. Sepp, Tobias ? Anna, Aukje, Bart, Ben, Fred, Asna, Jackie, Karim, Kuhn, Lisa, Manon, Tim, Tom, Tobias, Rachida, Seb, Winston et Waed. Je les ai appris cette nuit. Oui. Aukje. Oui, Aukje. Pour baisser votre siège, il faut soulever la manette. Génial. Oh, un sandwich à l'omelette. À quoi il est ton sandwich, jambon ? Encore ? C'est dur d'attendre la récré, hein ? Ouais. Monsieur ? Oui, Aukje ? Vous pouvez manger si vous dites atelier casse-croûte. Pas vrai qu'il faut faire comme ça ? Ouais. C'est vrai ? Ouais. Atelier casse-croûte. Oui. Je vais en manger que la moitié. Tiens, prends ça.
Régale-toi. Maman, je suis rentrée. Tenez, ça vous dit un petit café? Merci, avec c'est gentil. Monsieur Kess, un petit café bien chaud. Celui-là, je l'ai à l'œil. Il m'en a encore fait une. J'en ai 5. Je les ai eus à la librairie. C'était pas triste, la dernière réunion. Ça, tu l'as dit. J'ai cru qu'on se mettrait jamais d'accord. C'est dingue que les réunions ne fassent pas comprendre. Quand même. Enfin, c'est pareil. Monsieur Kess? Bonjour. Du coca? Il est interdit d'en boire à l'école. Ah oui? Oui. Nous devons donner l'exemple aux enfants. Oui, bien sûr. C'est pas vraiment un remplaçant, c'est un stagiaire. Les stagiaires, ils sont sympas. C'est vrai? On va faire de la barrassage, on dirait. Oh ouais! Dans mon ancienne école, une fois, on a eu un stagiaire qui nous emmenait sauter en parachute le samedi. N'importe quoi. Si, c'est vrai. Vous croyez qu'il a quel âge? Une vingtaine d'années. Peut-être qu'il vient juste de sortir de l'école primaire. Il a presque la même taille que Fred. Mais il est 100 fois plus malin. Je vais vous péter la tête. On se retrouve sur les barrassages. Les barrassages? C'est la spécialité de Fred. Je vais t'en coller une. Allez, allez, plus vite. Encore, allez. À ton tour. Rappelez-moi qui est Rachida, déjà. Rachida? Ok, monsieur. Rachida a très très peur de parler en public. Elle déteste l'expression orale. La dernière fois, elle a pleuré. C'est parce qu'elle vient du Mexique. Du Maroc? Oh, idiote. C'est celui qui dit qui est. Monsieur, vous avez qu'à lui mettre un 10, et voilà. Mais dans ce cas-là, je veux un 10 aussi. Un instant, attendez, les enfants. Je ne sais même pas qui est Rachida. Alors donnez-lui un 10. Rachida, c'est toi? Oui? Tu veux bien parler un peu? Allez, viens. Je m'appelle Rachida. Plus fort! Fred, tais-toi! Je m'appelle Rachida et je vais vous présenter Monsieur Kess. Monsieur Kess? Oui, Monsieur Kess. Voici Monsieur Kess. Je m'appelle Pete Kess. J'ai 19 ans, je fais des études, c'est pourquoi je suis stagiaire. J'habite toujours avec ma mère et mon père est décédé il y a longtemps. J'ai un chien qui se nomme Harley. J'adore
Le football, Astérix et Obélix, les jeux vidéo et les bonnes blagues et... Pardon. Et je suis fou amoureux de Marie-Louise Mulder. Mais je n'ai pas encore eu le courage de lui dire. Je ne lui ai pas encore adressé la parole, à vrai dire. Bien. Voilà, c'est fini. Voilà, c'était mon expression orale sur Monsieur Kess. Pitez chouette! Pitez chouette. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Pourquoi vous n'avez jamais parlé à cette fille, monsieur? Parce qu'à chaque fois qu'on se croise, il y a une laisse de 6 mètres de long entre nous. Elle a un chien très méchant qui aboie après le mien, donc on n'entend pas grand-chose. Tobias? C'était aussi ma question. Maintenant, nous devons mettre une note à Rachida. Qu'est-ce que vous en dites? Vous avez appris des choses? Oh ouais! Oui! Et vous avez tout entendu? Oui! Et au fond aussi? On entendait très bien! Et avez-vous appris des choses nouvelles? Oui, des tas de choses! Alors, dans ce cas, je crois que c'était un très bon exposé. Donc, 9 sur 10. Un 9! Mais un 9 sur le plat ou à la coque? Salut, papa! Ah, salut! Wow. Approchez! Aidez-moi! Tenez-moi ça! J'en suis là! Bon alors, ça se met où, ce truc-là? Ah oui, ici! Ouais, c'est ça! Juste ici! À la cabane, vite! Ok! Dépêche-toi! Très bien, bon alors... Hé! Des pancakes. C'était bien l'école? Trop chouette! Chouette? Attends, tu viens de lui parler de l'école? Oui. Et il t'a répondu? Oui, il a même dit que c'était chouette. Super drôle! On a un maître maintenant! Oh, un maître? C'est une bonne chose, ça. C'est formidable. Je suis ravi, ouais. Un homme dans une classe, c'est l'ordre et la méthode assurée. Il dirige ses élèves d'une main de fer et sait prendre des mesures. Qu'est-ce qui vous fait rire? Je suis très sérieux. Et pour la transporter dans le jardin, il compte faire comment? Géographie. Nous allons faire un petit jeu. Et chaque fois que vous trouvez un pays, vous marquez un point. Approchez-vous. Terminaison de ce verbe. Qu'est-ce que je fais là? Courir? Jogging. C'est pas un pays enfin. Et jogland? C'est un verbe en ir. Et ça en anglais? And. Irlande. Oui, c'est ça. Un point pour Sepp et Tobias. Ouais. Bisous-land. Un oiseau symbole de paix et d'amour. Je ne sais pas, moi. L'hirondelle. La colombe. Presque. Colombie. Oui, parfait. Transpirer. Dingue. Non, Suède. 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 Oui. Encore un point. Qu'est-ce qu'il y a?
Oh, c'est trop bien. Alors, monsieur Kess. Comment ça va? Bien. Vous êtes enrhumé? Non. On faisait de la géo, madame. De la géographie? Oui. On parlait de la Suède. Bien. Parfait. C'est une bonne nouvelle. Sandwich à l'omelette. Ma mère en a fait un de plus. Merci, Pete. Aujourd'hui, nous allons étudier un spécimen de biologie. Spécimen, au pied. Spécimen, viens. Les enfants, je vous présente Harley, mon chien. Harley est ce qu'on appelle un bâtard. Ça veut dire qu'il est un peu perdu. Mais non, ça veut dire qu'on peut pas lui donner un nom. Il s'appelle Harley, il vient de le dire. Harley est très affectueux, très poilu, et il rôde même sur commande. C'est cool. Harley, vas-y, déglutis et rôde. Tant que vous avez Harley? Ça doit faire... Laissez-moi réfléchir. Depuis que mon père est mort, ça doit donc faire... Ça fait 7 ans. Est-ce que quelqu'un sait... À combien de temps ça correspond pour un chien? Un an pour nous, c'est 7 ans pour un chien. 7 fois 7 égale 49. Exactement, il a 49 ans. Il est plutôt jeune. Comment ils font les chiens pour vivre 7 ans pendant qu'on vient un an? En fait, c'est parce que... Harley, Harley, approche. Tu sais quoi, Tobias? Peut-être que tu devrais l'emmener faire une promenade dehors. Chouette. On y va. Je ne voudrais pas qu'il fasse dans la classe. Tobias! Viens, réunion sur les sorties. Pour éviter les bagarres, quand vous remontez dans le bus, vous garderez la même place.
Il est bien sûr très important que chacun porte son autocollant au bon endroit et bien en vue. Vous le porterez comme ça, et non comme ça. Car si vous perdez votre sac, vous aurez aussi perdu votre autocollant. Je voudrais maintenant évoquer un certain nombre d'interdictions durant le voyage à l'intérieur du bus. Il est formellement interdit de courir ou de vous déplacer dans l'autobus. Vous aurez tout le temps de vous dégourdir les jambes. Je ne veux pas voir de gâteaux ou de bonbons, rien du tout. Interdiction de manger. Il est formellement interdit d'utiliser les téléphones portables. Et il est bien évidemment interdit de vous battre dans l'autobus. Il est également interdit de consommer des boissons. Et si vous voulez utiliser les toilettes, il faut demander la permission. Vos autorisations. Je dois aller au foot. Oh. Ok, salut. Allez, à plus. Salut, Harley. Harley ? Je t'ai eu. Allez, viens. On se balade ? Tout à l'heure, je l'ai détaché, je lui ai pas mis sa laisse. C'est vrai ? Ouais. Il s'est pas sauvé ? Tu sais, il n'obéit qu'aux gens qu'il aime vraiment, ce chien. De tous les animaux, c'est les chiens que je préfère. Ils sont gentils et ils ont des oreilles marrantes. Oui, je suis d'accord. J'ai moins de temps pour lui ces temps-ci. Si ça vous rend service, moi je peux le sortir. C'est vrai ? Bien sûr, il n'y a aucun problème. Je suis sûr qu'Harley serait ravi. Hein, Harley ? Viens là, mon vieux. Va courir. Wow. Hé, hey, pourquoi tu viens si tôt ? Parce que, à ta place, je resterai au lit. Je me suis réveillée tôt et je me suis dit que vous aviez peut-être besoin d'aide. C'est une très bonne idée que t'as eue. Je crois que tu vas m'être très utile. J'ai apporté un film pour le cours de biologie, mais je ne suis pas très sûre que ça convienne, c'est sur les araignées, ça fait un peu peur. Regarde-le et dis-moi si tu trouves ça trop effrayant. Les araignées géantes de la planète Mars. Ouh. Cool. Viens, on va chercher un lecteur DVD. Oh. Bonjour. Bonjour, madame. Ah, je peux voir ? Les araignées géantes de la planète Mars ? On n'apporte pas ces choses-là à l'école, Tobias. Tu entends ? Bon travail, monsieur Kess. De la rigueur, voilà ce que j'aime chez les maîtres. Demain, c'est moi qui prends cette classe. J'ai hâte, vraiment. Demain ? Oui, la conférence. Dans votre école. Vous aviez oublié ? Non. Non, pas du tout. Vous pensez qu'on a tout fait ? Dreuze vient demain.
On a fait tout ce qui est écrit sur l'emploi du temps. Oui, Pete. Avec la maîtresse, on travaillait pas autant. Elle arrêtait pas de nous mettre à la porte. Parfois même, elle restait toute seule dans la classe. Vous avez qu'à dire à vos profs que nous, on vous trouve génial. Vraiment génial. C'est gentil, mais... Demain, Madame Breuse va vérifier ce que nous avons fait. Elle regardera vos cahiers. Si elle n'est pas contente, je ne pourrai pas revenir. Vous savez quoi? Je vais écrire quelques dictées au tableau et vous allez les copier. Ce sera toujours ça de fait. Ensuite, on fera un peu de calcul et comme ça, elle constatera que nous avons fait du bon boulot. Très bien. C'est parti. La cigogne. La cigogne et... l'hirondelle. Reviennent au printemps pour faire leur nid. Tiens, tiens, tiens. Bien, bien, bien. Tac, 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 tac. Ces opérations-là. Tout ça me semble parfait. Bien, maintenant nous allons faire... une dictée. Encore une dictée? Oui, maintenant sortez vos cahiers. Oh non! Seb et Tobias, concentrez-vous. Sur la dictée? Les garçons, celle-là. Vous n'allez pas nous gâcher la journée, n'est-ce pas? Allons-y. L'hirondelle et la cigogne. La cigogne et l'hirondelle. Sepp, je crois que Tobias est capable de travailler tout seul. Reviennent au printemps. Virgule, au printemps. Pour faire leur nid. De grandes volées d'oiseaux traversent le ciel en direction du sud. Hé, hey, regarde, c'est Harley. C'est lui, t'es sûr? Viens, on va le voir, d'accord? Ils sont pas très doués. Hé, hey, papa! Salut les garçons! Je peux te demander quelque chose? Je sais ce que tu vas me demander. Tu veux savoir comment je vais faire passer cette maison de princesse par la porte pour l'installer dans le jardin? C'est une question d'angle, il suffit de trouver le bon. Non, je vais te poser une question sur les filles. Sur les filles? J'ai une connaissance très approfondie sur la question. Je sais tout, je peux vous parler de ce que vous voulez. Du coup de foudre, du chagrin d'amour, ou comment rompre. Non. Ou même quoi? C'est pour un rencard. Pour un rencard? Oh, et où est-ce que vous aimeriez amener ces filles, les garçons, hein? Dites-moi. Non, papa, c'est pour notre instit. Oh, pour votre instit. Bien. Sepp, école, dîner. Nous devons dîner tôt. Il y a la réunion parents-prof. Des croque-monsieur. Des croque-monsieur, c'est bien, hein? Allez, Sepp, à table. À demain. Salut. Et des crêpes, hein? On va faire des crêpes.
Tobias, tu sais que... Vous êtes tout rouge avec la chaleur. En fait, c'est ta mère qui devrait être là. On m'avait pas dit. Vous voulez pas me faire une dictée rigolote? Ça me ferait du bien de rigoler. Je n'ai pas le droit, c'est 10 minutes par élève. Et nous devons parler de toi. 10 minutes entières? J'ai préparé un petit rapport. Sur moi? Oui. Je vais te le lire. Et tu répéteras tout ça à ta mère. Bien. Tobias est un élève très agréable. Il est drôle et serviable et c'est une personne très attachante. Mais je crois qu'il ne va pas très bien. Il reste parfois silencieux. Et je le vois souvent préoccupé. Elle dure combien de temps, ces 10 minutes exactement? Son père est mort il y a peu. Tobias traverse un moment difficile, mais... il ne souhaite pas en parler. Et je pense qu'il n'ose pas non plus en parler à sa mère. J'aimerais lui venir en aide, mais... je ne sais pas comment. Voilà, c'est tout. Ça s'arrête là. Et j'espère que Tobias va vite rentrer chez lui parce que... j'ai ici une... barre chocolatée... et... je n'ai pas envie de la partager. Aujourd'hui, on passe la journée dehors. Ouais, école buissonnière. On appelle ça des travaux pratiques. Qui a un téléphone avec un appareil photo? Moi, parfait, moi. Parfait. Nous allons prendre des photos de la nature. Les enfants, ça sent déjà le printemps. Cherchez des scarabées, des fleurs, des vers de terre si vous en trouvez. D'accord? Prends-le, n'aie pas peur. Ah, mini tuyau d'arrosage. Mets-le là. C'est quoi ça? C'est gros. C'est drôle. Et c'est tout noir. Ça doit faire bizarre de le toucher. Pourquoi vous lui écrivez pas une lettre pour lui dire qu'il vous plaît? Faites-lui un gâteau. Ouais, bohème. Ouais. Et Marie-Louise, t'es belle comme un ange. Chaque fois que je te vois, je sens que ça me démange, mange. Pete, vous pouvez pas continuer comme ça. Faites quelque chose. Demandez-lui de sortir avec vous. Mais je n'oserais jamais. Faudra bien y arriver. Vous voulez qu'on lui demande à votre place? Elle vous écoutera pas.
Cet imbécile de chien n'arrête pas d'aboyer et l'entraîne au loin en courant après Harley. Vous avez qu'à laisser Harley à la maison? Quoi, sortir mon chien sans mon chien? Qu'importe, il faut lui dire. Oui, il faut crier bien fort, hurler sur les toits. Marie-Louise, tu veux être ma fiancée? Mais qu'est-ce que c'est que ça? On vous entend jusqu'au bout du couloir. Chut. C'est le printemps, Madame Druss. Joli, non? Mais je crois savoir que le printemps n'est pas au programme. Non, mais je... Monsieur Kess. Préparation. À l'heure qu'il est, vous ne devez penser qu'à ça. Préparation. Oui. Et pourquoi? Je dois préparer... Monsieur Kess, vous préparez pour l'inspection. Nous sommes face à une situation inédite, un stagiaire dans une classe. Oui, oui, c'est sûr. Alors préparez-vous. Je comprends parfaitement, Madame Druss. Je me prépare continuellement. Si on prend Tobias, par exemple, Tobias, il va rester en soutien aujourd'hui. Bon travail! Certains enfants ont besoin de plus de temps que d'autres pour apprendre. Préparation. Bien compris. Je vais en soutien? Oui. Tes résultats sont en baisse. Plus 3 millions, ça fait combien? 24 millions. Prévision des nombres à 7 chiffres. 20 millions... Plus 13 millions. 33 millions. Ah. Oh. Tu veux jouer? J'ai pas de quoi payer le soutien. Oh, c'est embêtant. Mais tu as bien progressé aujourd'hui en calcul, avec les grands nombres. Tiens. Tu as mangé des vitamines aujourd'hui? Ingrid, 2 frites, s'il te plaît. Oui, tout de suite. Des frites? Bien sûr. Les patates, c'est bien des légumes. C'est vrai. Et avec du ketchup? Bien évidemment. Waouh! Génial! De la sortie scolaire. On part à 8h30. Regarde. D'accord, parfait. Pardon. Anna, merci beaucoup. Pardon, laissez-moi passer. Manon, ton autorisation. Merci. Si. D'accord. Moi, j'aime mieux celle-là. Je suis. Qu'est-ce que t'as? C'est bien là qu'il fait signer. J'ai pas le mien. Je te dis, regarde. Oh. Non. Pourquoi? Oui, non, enfin, moi, c'est là que mon père. J'ai une idée. Si, regarde. Ton autorisation, s'il te plaît. Merci. Nos deux papiers sont là. C'est parfait. Je vous donne vos autocollants. Tiens. Voilà. Vite, monte. Tobias, je ne vois pas ton papier ici. Viens, on se met là. Ils étaient ensemble. Tobias, sans autorisation, je... Madame Druss, il y a un souci? Il n'a pas apporté son papier. Tobias, où est ton autorisation de sortie? Je... Sans ce papier, il devra rester à l'école.
Mais oui, ton autorisation, elle est... Je vais la chercher. Je vous laisse ça. Tu l'avais oublié dans la classe. Ah oui? Oui, oui, je l'avais oublié dans mon tiroir. C'est parti, les enfants! Au revoir! Au revoir, Madame Breuse! Ça va être chouette. Ça va être chouette. Amusez-vous bien. Tous les pains sont fabriqués avec du blé. Avec du blé qui est moulu. Et souvent, on le moue à la main. Comme ça. Voilà. Dites-moi, combien de grains de blé est-ce qu'il peut y avoir dans un pain? Main en l'air? Main en l'air? On n'a pas mis les mains dans le pain. Non. Que ceux qui savent lèvent la main. Il y a 6000 grains. Oui, il y a environ 6000 de ces grains. Et combien de temps faut-il, d'après vous, pour écraser 6000 grains de blé afin de les transformer définitivement en farine? Main en l'air. Quelqu'un a une idée? 2 heures. Il me faut 2 heures pour moudre 6000 grains de blé. Est-ce que certains d'entre vous ont envie de moudre un peu? Main en l'air. Ça devait être intéressant. Tout à coup, les enfants se sont sentis un peu patraques. Ouais, on est allergique au blé. J'avoue que je ne lui ai pas dit. Mais je peux pas vous ramener maintenant, il est trop tôt. Il est à peine 11 heures. Oh. C'est un problème. Vous savez ce qui serait bien? Ce serait d'aller regarder ces champs de blé vus du ciel. Ça permettrait de mieux comprendre ce qu'ils ont expliqué au musée. Le dernier dans le bus est une tortue! Oh!
Santé, santé. T'as vu comme ils sont petits? Regarde là-bas. Ils ont l'air minuscules. Et les voitures aussi. Merci de m'avoir permis de venir. C'est normal. On voit même les jardins. Il y a du vent ici, ça souffle fort. J'ai l'impression d'être un oiseau qui vole. Hé. Rachida, viens un instant. Tu as vu ces champs là-bas au loin? Et toi, tu vois quoi? On y cultive du blé, tu vois. Et là-bas, c'est une autre céréale. J'aime bien cette cour d'école. C'est pas la même couleur. Trop cool. Il y a des montagnes russes. Il y a plein d'espèces d'arbres différents. T'aimerais bien monter dedans, toi? J'adorerais ça. Ouais. T'aurais pas peur? Si, peut-être un peu. Attention! On arrive! Tout le monde se cache! Vite, vite! Dépêchez-vous! Ça y est! Messieurs, dames, désolé, mais j'ai dû les laisser au musée. Oh, qu'est-ce que ça veut dire, enfin? Désolé. Ah. Ouais, 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 ouais. Au revoir, à demain. Monsieur Kess. C'est votre signature, si je ne m'abuse. Oui. Monsieur Kess, la permission ne peut être accordée que par les parents ou le tuteur légal. Mais je crois que... Vous n'êtes pas l'ami de vos élèves. Qu'importe que vous les appréciez, vous êtes leur maître. Que dirait l'inspecteur s'il savait ça? Mais tout s'est bien passé et ils se sont bien amusés. Amusés? Ils ne sont pas là pour s'amuser. C'est une école ici et nous avons un programme à suivre. Croyez-vous que c'est comme ça que vous deviendrez un instituteur digne de ce nom? Je vous donne encore une chance. Et vous suivrez à la lettre, et j'ai bien dit à la lettre, notre programme. C'est bien compris? Oui, Madame Druss. De la distance, Monsieur Kess. De la distance. Monsieur Kess, à partir de maintenant, je change de méthode. Mais Pete, on va toujours s'amuser ou pas? Monsieur Lisa. Monsieur Lisa, c'est quoi ce truc de ouf? Non Fred, ça veut dire que vous devez m'appeler monsieur au lieu de m'appeler par mon prénom. Madame Druss m'a demandé d'appliquer le programme. Ça sera plus formateur et un inspecteur viendra contrôler le travail. On n'a pas le choix. Mais Pete, on n'a qu'à monter un plan pour le jour où l'inspecteur viendra. Il suffira juste d'écrire les bonnes réponses et puis... Non! Mais... Il n'y a pas de mais! Mettez-vous au travail. On suit le programme. C'est comme ça. Dictez. Prenez vos cahiers et un stylo. Au petit matin, le coq s'éveille dans son enclos. Au petit matin, le coq s'éveille dans... Fred! Tu dois écrire. Mais Pete! Monsieur.
Mais monsieur... Oui, Fred. Je comprends pas la blague cette fois. Il n'y a pas de blague. Et il n'y en aura plus maintenant. Mais qu'est-ce qu'il a? Mais Pete! J'ai dit monsieur Winston. Sepp, retourne-toi et écoute. Mais... Reprenons la dictée. Dans mon ancienne école, un jour, on a eu un maître qui s'est transformé tout d'un coup en loup-garou. C'est ça, ouais. Bon, d'accord, pas vraiment. Il s'est laissé pousser la barbe et il ressemblait vraiment à un monstre. Pete a rien d'un loup-garou. Non, mais en continuant comme ça, il deviendra aussi bête que les autres. Salut. Tobias? Pas cool cette journée, pas vrai? Vous manquez peut-être de vitamines? Un cours de soutien sur les nombres à six chiffres, ça vous dit? Non, Tobias. Je n'ai pas de temps pour ça. C'est terminé. Et t'apporteras ton casse-croûte désormais. C'est nul, l'école, maintenant. Je croyais que t'avais un maître fabuleux. J'avais. Il a complètement changé. Ça va s'arranger. Ah ouais? Tu sais quoi? Il y a aussi des gens qui partent et qui reviennent. Bonjour. Tu viens voir mon fils, c'est ça? Il vient juste de... Salut, Harley. Sortir. Tu es l'un de ses élèves, n'est-ce pas? Je suis sa maman. Et toi, tu es... Tobias, non? C'est juste? Tu sais, je pense qu'Harley a besoin de sortir un peu. J'ai beaucoup de boulot. Tiens. Au revoir. Cours, Harley! Cours! Allez! Tobias! Harley se demandait si tu reviendrais pour le sortir. Il voulait me suivre à l'école, mais bon, c'est pas tout à fait dans les programmes. Madame Druss m'a demandé d'être stricte, ou sinon, elle a dit que je n'aurais plus jamais le droit d'enseigner.
Alors j'ai pensé que si je lui obéissais... Harley veut rentrer. Il a faim. Dans la jungle, terrible jungle, le lion est mort ce soir. Dans la jungle, terrible jungle, le lion est mort ce soir. Dans la jungle, terrible jungle, le lion est mort ce soir. Da 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 da. Oh, regardez. Attention, table de multiplication sportive, les films de Science Nat qui fait peur. Après Géo et puis Atelier Casse-Croûte. D'accord? Monsieur Kess. Monsieur Kess. Madame Druss? Que faites-vous sur cette table? J'étais... en train de... d'expliquer une chose. Oui, et... Monsieur Kess, voici Monsieur Van Essen. C'est l'inspecteur. Van Essen. Pete Kess. Enchanté. Je vais aller m'installer au fond de la classe. Inutile de vous dire que je ne veux pas de problème. Oui. Je suis... d'accord. Alors c'est parfait. Monsieur Van Essen? Madame Druss. Monsieur Kess. Vous pouvez reprendre votre cours. Tenez, je vous le prête. Vous étiez donc sur la table, si je ne m'abuse. Exact, j'étais debout sur la table. Sur est une préposition. Préposition. Et en descendant, je dois faire attention de ne pas tomber. Sinon... j'atterrirai à côté. À côté, c'est aussi une préposition. Et maintenant, maintenant je suis sous la table. Sous. Mais le plus important, c'est sûr. Et ça n'a rien à voir avec le cours sur les compléments de lieu. Mais comptez sur moi, les enfants. Sincèrement. Ok. Passons aux choses sérieuses maintenant. Vous voulez faire quoi? Un peu de géo. Calcul. Biologie. Non, dictée. Non, les tables. Oh, ouais. Les tables. D'accord. Les tables. Vous savez ce que vous devez faire. Ouais. C'est parti. La table de 6 le plus vite possible. Ouais. En daarom is hij onze nummer 1. En de juf, man.
Deckerding. En van de dead gewone les maakt hij een happening. Waar bovenal laat hij ons dromen. Over een hele mooie toekomst, ja hij laat ons geloven. In onszelf, zoals hij is te genezen. En daarom is het onze nummer 1. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce chantier? Madame Dreus? Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un cours aussi amusant. C'est tout à fait étonnant de la part d'un stagiaire, et j'ai hâte de découvrir la suite de la matinée. C'est drôle et très éducatif. Drôle? Et éducatif? Effectivement. Je pourrais peut-être alors rester à ce poste? Oh, ça ne me semble pas être une très bonne... Évidemment que vous allez rester. Ouais! 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 Les enfants, nous reprendrons l'activité dans un instant. Mais avant, nous allons passer à l'atelier casse-croûte. Ça vous dit? Ouais! L'atelier casse-croûte. Tiens. Merci, Pete. T'as pris une douche? Oui. Regarde. Il te tiendra compagnie. C'est un copain. Yeah!
over. Inner self,